Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Il est midi 8. Putain, il est midi 8. Et c'est trop bizarre, j'ai la tête dans, je sais pas, dans le huc. Mais je vous emmène avec moi, même si c'est dimanche aujourd'hui, donc ça va être une journée très chill. I'm sorry, the wholesaler can come to the phone right now. Why? Oh, cash is dead! Comme à peu près tous les jours de ma putain de vie, mon évier est bouché. Donc, bah, je vais chercher la ventouse. I'm coming. C'est parti. Bon, faites pas attention à la tête, je vais me lever. La ventouse, trop belle. Je suis désolé, encore trop mimi. Let's go! Ah, ça ressort. Ah! Non! Il y a des trucs noirs qui ressortent, qui se touchent à ma main, j'aime pas. Ça a résonné. Non, ça, je peux pas, ça me rep. Ah, ça me dégoûte. Il y a vraiment plein de trucs noirs qui sortent, ça me dégoûte. Ah pas hein, les réveils. Ah brûlant. Eh ben. Alors du coup on va faire des gnocchi au parmigiano. Alors j'ai acheté des gnocchi. Ils me paraissent un peu bizarres, genre je sais, je les trouve un peu moches, mais tranquille. Et donc, bon, je vais pas vous apprendre à faire des gnocchis. Après, vous pouvez les faire vous-même, mais c'est pas chez moi qu'on va apprendre ça parce que. Bon, là-bas, je devais aller au cinéma avec Maëva et Delia, mais Maëva peut pas et Delia, au final, voit quelqu'un d'autre. Du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais juste monter ma vidéo. En fait, je sais pas si je vais dans un café, genre monter ma vidéo, ou si je monte ma vidéo et ensuite je vais me poser, genre avec une boisson ou un truc, dans un parc et juste je me repose. Je pense que je vais faire plutôt ça. Mais en même temps, il fait pas hyper beau. Pas genre très soleil ni rien. Mais en même temps, je me dis que ça peut quand même être cool. Donc, on va voir ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Vous prenez vos gnocchi. Les gnocchi, après, les gnocchi crus. Les gnocchi crus, comment ça s'ouvre? Bon, bah, du coup, je vous retrouve quand mon eau est en train de bouillir. Bon, mes gnocchi sont prêtes. Je les ai goûtées, elles sont pas folles. Hein. J'ai pris la même marque que d'habitude, bah. Voilà. On va les dessorer. Je sais pas comment on dit. Oh merde, j'ai tout fait tomber. Ça me brûle. Ah, ça sent l'été. Ça sent genre ce que ma mère fait à manger l'été. Putain, j'ai fait des gens partout. J'ai une recette de sauce au parmigiano. Il faut du lait dans une casserole faire chauffer. Oh là là, j'ai utilisé deux casseroles. Philippe Etchebest. Donc, vous utilisez une casserole. Versez le lait dans une casserole, faites-le chauffer, puis ajoutez du parmesan. En fait, moi, c'est pas trop du parmesan. En fait, je pensais, le packaging, il était à côté du parmesan. Je me dis, bon, il y a un truc italien, ça ressemble à du parmesan. Bon, easy. Et en fait, non, j'ai lu après en l'achetant. C'est un mélange de fromage italien à pâte dure. Donc, il y a quoi dedans? Fromage à pâte dure. Ok. Grana panada. Parmigiano. 15%. Bon, bah, on n'est pas sur une réussite pour l'instant. Mais je pense que ça va faire pareil. Du coup, attendez, faut que je fasse chauffer du lait. Mais combien? Un quart de litre? Mais ça veut dire quoi ça, un quart de litre? Attends, mais c'est beaucoup! Je vais pas en mettre autant, moi. Bon, j'y fais au feeling. Bon, je dirais ça. Hein. Pourquoi ça a fait ça? J'ai vu ma casserole, elle est devenue toute noire quand j'ai mis le lait. Bon, là j'ai 100 grammes. Mais je vais pas mettre tout mon parmesan là-dedans. Moi j'ai. Ah, mais c'est pour combien de personnes? J'ai pas regardé. Ah, c'est pour 4 personnes! Pardon. Bon, en vrai, je vais faire au feeling. Hein. Maïzena, 2 cuillères à soupe. On va mettre une cuillère à soupe de farine. Une cuillère. Oh, j'ai l'impression d'être un chef étoilé là. Je mélange. Focus. Parce que jamais 2 sans 3. Oh, j'ai un morceau. Ah, attendez, ça bout trop là. Ça a l'air bon. Du coup, je filme un iPhone, mais je viens de goûter. C'est genre délicieux. Donc, je vais aller manger ça. Et puis, bah, je vous retrouve quand ma batterie de batterie. Quand ma batterie d'appareil photo est rechargée. Bon, il y a beaucoup trop de. Oh là là, YouTube. Beaucoup trop de sauce, mais c'est quand même très très bon. La vidéo est enfin, programmée et tout. C'est la première fois que je la finis aussi vite, mais en même temps j'ai rien d'autre à faire. Elle est nulle. Franchement je l'aime pas. Mais c'est pas grave, faut bien. Enfin, tu peux pas. Tous les jours ne peut pas être un one man show. Donc voilà. Et là je vais rejoindre un pote. On va aller. Je sais pas, on devait aller au pop-up store d'Harry Styles, mais du coup je pense que ce sera trop.
Je pense qu'on n'aura pas le temps. Voir, vous avez entendu mon genou. Parce qu'il est 7h17. Touchez votre nez. Et ça ferme à 18h. Donc le temps que c'est dans le 11e, je crois, dans le 12e. Ah non, dans le 3e. Donc, de toute façon, c'est voilà. Et donc, c'est genre pas très proche de chez moi. Donc, ça me saoule un peu. Mais en même temps, je me dis, c'est pas plus mal parce que je vais faire des économies au moins. Parce que je sais que si j'y vais, je vais dépenser. Mais voilà. Du coup, je vais aller m'habiller et je retourne après. Oh no! Oui! C'est vraiment la tenue du dimanche. Je suis confort et cute. Là, on va aller dans un petit port. On est sur quelque chose de très mignon. Il y a écrit pour Daphné. Du coup, je viens de rentrer. C'était cool, mais spécial. Je m'étendrai pas sur le sujet. Mais du coup, programme de la soirée. En vrai, juste me reposer. Parce que je suis là, à côté de mon corps. Parce que c'est juste la fatigue de la soirée et tout. Mais voilà. Du coup, je vais cuisiner. Je sais pas encore quoi. Enfin, en fait, j'ai encore envie de me faire des wraps. Sauf que, enfin, vraiment, je mange que ça, quoi. En même temps, c'est le seul truc là qui me donne bien envie. Du coup, je sais pas. Mais je vais pas manger maintenant. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Ah, il est quand même 21h. Ouais, bah, je vais me poser, genre un peu. Et après je cuisinerai, mais c'est pas encore quoi exactement. De toute façon je vous filme tout. Et je vais me faire manger parce que je commence à avoir faim. Il est 21h05 très exactement. Et du coup bon, je vais pas faire comme d'hab honnêtement, wrap. C'était vraiment genre j'avais que envie de ça. Et en fait si j'avais aussi envie de salade, mais j'ai plus de sauce à salade. Et puis bah vous avez vu hier, j'ai fait de la sauce avec de la sauce soja, c'était dégueulasse. Enfin c'était dégueulasse, non c'était pas dégueulasse mais c'était pas fou. J'ai quand même mangé au final. Mais là on va partir sur un truc qui me donne envie, qu'on connaît, que vous aussi vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est que vous suivez pas les vlogs. La honte. Du coup wrap, du coup bah vous avez besoin de wrap qui sentent la bouche pour ignache. Je suis en train de faire que... Mon cordon bleu. On est toujours sur la même salade. Une salade iceberg, la même. Enfin la même. Non, c'est une nouvelle meilleure. Hein. C'est toujours la meilleure. Je veux pas faire de drama, mais c'est la meilleure. In every kind of way. Just a little tea. J'espère que vous allez arriver, c'est Music Guy Styles. Je mets la salade dans mes wraps. En vrai, je pourrais tester un jour de faire des wraps un peu genre healthy. Genre mode avec de la crème. Enfin, je sais pas comment on dit. Genre du fromage, vous savez, du Madame Louis, genre. Avec ça, des petites tomates. Mais sans cordon bleu et tout. Parce qu'en plus, bon, en vrai, je mange pas tant de viande que ça. Parce que, quand j'habitais encore chez mes parents, on avait. On a pris l'habitude de réduire un peu notre consommation de viande parce que, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Du coup, en fait, ça m'a un peu habitué à moins manger de viande et je me suis toujours bien senti même avec moins de viande. Donc en vrai, par exemple, là, j'ai pas mangé de viande depuis un sacré bout de temps. Parce que le midi, la plupart du temps, je mange des pâtes. Et le soir, bon, je me fais toujours un bon repas, mais en fait, je mange moins de viande. Enfin, là, dans mon frigo, niveau viande, il y a vraiment que les cordons bleus. Mais je trouve pas ça si mal, genre je me sens pas moins bien sans viande. J'adore manger de la viande, genre vous voyez, vous me parlez d'un barbecue. Bon bah voilà, voilà, mais je comprends du coup les gens qui sont végétariens et tout. C'est normal que mon cordon bleu il grince. Ah ma poubelle elle pue du cul hein. Putain. Moi je sais pas comment vous faites pour genre mes potes qui m'ont. Par exemple Nina, elle m'envoie un snap à chaque fois qu'elle regarde mes vidéos, mais je sais pas comment vous regardez ma gueule tous les soirs. Genre moi je fais le montage mais je peux plus me voir. Autant des fois c'est drôle quand bah y a des potes et tout. Mais alors me voir seul mais. Oh j'ai me. Ah, de toute façon, en ce moment, je peux plus me voir. Yes! Oh, j'ai oublié de mettre le fromage! Pourquoi ça marche plus leur ouverture? Avant, elle marchait super bien. Par contre, j'ai remarqué un truc. Je suis super moche dans les vlogs. Je fais aucun effort. Là. En même temps, je me filme au réveil et tout. Donc, je me pas du bon roquefort, sa mère qui pue bien de la race là. Du coup, je suis dégoûté. Je devais aller au pop-up store d'Harry Styles là. J'avais prévu d'y aller. Merde! Ça a pas touché le sol plus de 3 secondes, donc c'est bon. Et du coup, au final, j'y suis même pas allé parce que y a pas de raison. J'y suis pas allé, mais je suis dégoûté. Mais en même temps, je me dis, c'est pas plus mal parce que je sais que si j'y serais allé, j'aurais voulu acheter un t-shirt. J'ai vu un t-shirt trop beau. Enfin, j'ai plus d'argent à dépenser, quoi. Fini de pipo. Donc, c'est pas plus mal. Et puis, en soi, bon, c'est pas, j'ai pas loupé. Genre, c'est pas comme si j'avais loupé un concert. Enfin, si, j'ai aussi loupé son concert parce que j'ai pas réussi à avoir de place. Comme Olivia Rodrigo. Oh là là, mes wraps. Non, mais les tomates, elles sont immenses. Elles ont mangé quoi? Pardon. Des oignons frics. Putain j'en ai mis beaucoup. Ça a pué de la gueule. Hop. Et ensuite oh. Putain j'ai trop rempli mes wraps. Ça se ferme pas. Bon c'est coussi coussin hein. Par contre il y a la fête des mères. J'ai failli dire.
Coucou maman. Oh non, mon wrap s'est réouvert. Bon, voilà la gueule de mes wraps. Bon, du coup, vous pouvez voir un peu l'intérieur. Je viens de finir ma douche, je me suis lavé sur du Billie Eilish, j'ai fait des danses de ouf. Je vais me faire une soirée chill Minecraft jusqu'à aller dodo. Donc en vrai ce sera juste tranquille avec du Billie Eilish comme vous pouvez l'entendre. Je serai Billie Eilish en ce moment et je vais juste me détendre un peu et essayer de pas trop penser. Regardez la série de Tchernobyl, j'avais déjà commencé mais je la re-recommence parce que j'avais pas terminé, j'ai trop envie. Est-ce que je suis... Ah, j'aime pas. Est-ce que je suis le seul à avoir la phobie, vous savez les masques nucléaires, de genre avoir la phobie de ça? Ah non, les masques, vous savez, avec des gros trucs comme ça ou qui recouvrent tout le visage, genre je sais pas, j'aime pas. En fait, j'ai réfléchi et je crois que c'est parce que dans Ratatouille, la grand-mère, elle en a un et la grand-mère me foutait les chocottes. Et donc je pense que ça vient de là, mais là, je... Oh putain, mais arrêtez de le montrer. Je peux pas, ça me terrifie, j'arrive pas. Là, j'ai les poils tout hérissés, j'aime pas du tout. Du coup, j'ose plus regarder la série. Bon, on est sur une fin de vlog, il est... minuit 30, on voit pas, mais faites-moi confiance, c'est minuit 30. Je vais aller me coucher parce que demain il y a cours. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'était très clairement un dimanche. Un dimanche un peu en lendemain de soirée. Je vous souhaite du coup une excellente journée, une excellente nuit, une excellente matinée, peu importe au final. Et puis bah, moi je vous dis à demain, comme d'hab. Ciao. Bello.